반갑습니다. 저는 영화 아카데미의 원장 홍일용 씨로 합니다. 오늘 이 마스크에서 정말 특별한 분을 모셨습니다. 러스앤 무언이라든가 예언자라든가 비판이라든가 이런 영화의 시나리오 작가셨고 지금 파워에 역시 감독까지 해주신 우리 토마스 빌더겐 씨를 모시도록 하겠습니다. 우리 큰 박수 주시고요. 모더레이트는 CNN의 이마정 기자님이 도와주십니다. 두 분 다 모시도록 하겠습니다. 잘 알려져 있다시피 자크 오디아르 감독의 작품의 뼈대를 만드는 사람이라고 거의 그런 식으로 인지가 되어 왔었고 그의 영화의 대부분의 작품들을 관통하는 어떤 주제의식이나 형식이나 여러 가지들을 서로 상의하면서 작품 연출, 작품에 도움을 주는 그런 시나리오 작가이기도 합니다. 시나리오 작가 이전에 사실 배급 그리고 또 이번 연출까지 영화계의 다양한 어떤 롤들을 역할을 맡으면서 꾸준히 자기의 영화의 세계를 구축해 오신 분이신데요. 오늘 이 자리에 오신 소감을 먼저 들으면서 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. Alors, je suis très content d'être en Corée. C'est la première fois que je viens, mais j'ai vu beaucoup de films coréens en France. Ils sont très populaires. Et donc, j'ai un peu l'impression de connaître un peu la Corée. Il y a vraiment des films coréens qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont beaucoup influencé. 이런 시나리오를 썼으면 그 감독에게 먼저 좀 다시 영화로 만들어보지 않겠나 내가 시나리오 작가를 하고 연출을 해라 이런 과정도 있었을 것 같은데 직접 하셨어요. 그래서 직접 연출을 하게 된 계기 그 작품을 작성하게 된 계기를 좀 말씀드리겠습니다. Puis j'avais quand j'ai eu l'idée j'ai une cinématographie une cinéphilie très classique je viens de là toujours beaucoup aimé les films classiques du cinéma américain et donc quand j'ai eu cette idée de parler d'une histoire moderne à travers le style du western et je me suis dit que c'était pour moi, c'était ma chanson, c'était à moi de la chanter. Mais, et donc ma cinéphilie, ma culture elle vient de là, de ce cinéma qui est toujours un cinéma de genre et qui arrive à parler du monde tout en respectant les genres. Et je crois que c'est le lien entre tous les films que j'ai écrits, ou en tout cas presque tous les films que j'ai écrits, c'est que c'est toujours des films de genre. Que ce soit un film de gangster avec une histoire d'amour, parce que le genre a une grande qualité, c'est que c'est démocratique. Tout le monde va pouvoir monter dans le train. Ça va être simple au début. Et une fois que le train est parti, là on peut compliquer les choses, là on peut commencer à parler du monde. Et c'est pour ça que j'ai été si impressionné par les premiers films de Bong Joon-ho. Que ce soit Memories of Murder ou The Host, parce qu'on est vraiment dans des films de genre et en même temps, il va nous parler du pays. Et souvent, on cherche ça quand on écrit un film, on cherche une métaphore, on cherche à décrire un monde, à faire un monde réduit comme la prison dans Un Prophète ou comme cette communauté country ici. Qui est-ce qui essaie d'écrire les scénarios ou qui écrit les scénarios en fait? Pas mal. Il y a une chose qui est importante quand on écrit un scénario. Il y a un plot. Moi j'aime beaucoup les scénaristes. Oui, parce que c'est très difficile d'écrire un scénario et c'est intéressant. Et donc ce que je voulais dire, c'est que quand on écrit un scénario, il y a une règle et il y a vraiment qui, pour moi, est la plus importante, qui est que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Pour moi, c'est le only plot. C'est la seule règle. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et au cinéma, dans le cinéma américain, en tout cas, et même souvent dans le cinéma français, les récits sont très normatifs. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs façons d'envisager le travail de scénariste. Moi, je ne crois pas qu'un scénariste écrit un scénario, qui le donne, trouve l'histoire et va le donner à un réalisateur qui va faire un film avec. Parce que quand les scénaristes, on n'écrit pas des histoires, on écrit du film. Et ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant, il y a une chose qu'on fait avec Jacques sur les films. Depuis mars, on vient s'arrêter. Et que je fais aussi sur Cowboy, c'est d'avoir un scénario. Et puis, un autre petit document, on sort juste au début du tournage. Qu'on appelle le cahier B. Et le cahier B, c'est un réservoir de scènes qui vient soit de versions antérieures, de vieilles versions du scénario, des scènes qu'on a abandonnées, ou qui viennent de répétitions avec les acteurs, ou
qui viennent d'idées qu'on a au moment, au moment de la mise en production. Des fois c'est un monologue d'un personnage, des fois c'est une scène entre deux personnages, des fois c'est juste une image. Et c'est arrivé d'avoir deux scènes, si on les met dans le scénario, elles vont ralentir. Dans le scénario, il faut que ça avance tout le temps. Mais par contre, c'est des scènes qu'on sera tellement content d'avoir en montage. Et donc c'est comme ça que je travaille avec Jacques, mais c'est aussi comme ça que je travaille avec Bertrand Bodeau pour Saint-Laurent ou avec d'autres. Je regarde les rushs et les choses vont être différentes toujours de ce qu'on a pensé. Un acteur va être différent, va être plus dur ou moins dur. Une scène qu'on pensait être une scène de confrontation va devenir une scène de réconciliation. Il faut laisser venir les accidents. 굉장히 일반적인 방식은 아닌데 어떻게 이렇게 이런 작업을 하게 되셨는지 초창기 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. Ok, j'ai commencé donc comme distributeur et comme producteur. J'étais pas un très bon producteur, mais j'étais quand même un très bon producteur. Et j'étais un distributeur, ok. Mais par contre, je pense que ce que j'ai appris est très, m'a beaucoup aidé dans le métier de scénariste. Ce qu'on apprend comme distributeur, notamment, c'est très important, c'est qu'un film doit avoir une promesse. Quand on est distributeur, c'est tout ça. C'est comme ça qu'on pense toute la journée. On se dit pourquoi est-ce que quelqu'un va dépenser 10 euros pour aller voir un film. Et cette question, c'est vraiment bien de se la poser au début plutôt qu'à la fin du processus. Mais je peux vous raconter, en fait, c'est voilà comment je suis devenu scénariste. J'ai essayé de faire un film, de produire un film comme producteur. Et pendant un an, j'ai fait du casting, formidable casting, j'étais très content, mais je n'arrivais pas à monter le film. Donc j'étais dans cette espèce de development hell du cinéma. Et là, j'ai déjeuné avec j'étais à New York, j'ai déjeuné avec un chef opérateur, un grand chef opérateur, et qui m'a raconté, il racontait comme ça par moi dans la table, et il disait qu'il revenait de Los Angeles et qu'il avait tourné un film en une semaine avec Naomi Watts. Et donc je suis rentré à l'hôtel en me disant, mais comment est-ce qu'on peut faire? Moi, ça faisait un an que j'ai fait un film, il n'y avait pas. Et donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire un film en une semaine? C'était ça la question, comment est-ce qu'un film peut être produit en une semaine? Donc j'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé une histoire qui était qu'on pouvait tourner en une semaine. Trois jours après, déjeuner avec un réalisateur et un producteur, et j'en ai raconté, et à la fin du déjeuner, ils m'ont acheté l'histoire. Et trois mois après, ils ont tourné le film, ils l'ont tourné en 9 jours. Je n'ai pas complètement trouvé. Et donc, c'est là où j'ai appris une chose importante, c'est qu'il faut réfléchir au film, et que la production, c'est très important. Je crois que si j'étais entré à l'hôtel et que je m'étais dit quelle est l'histoire qui me tient à cœur, qu'est-ce qu'il y a une histoire très importante qui est dans moi et qu'il faut qu'il sorte, tout ça, toujours en train de l'écrire. Alors là, j'ai réfléchi à comment est-ce qu'on fait un film comme ça, et j'ai trouvé une histoire. C'est pour ça que les histoires, elles viennent après les idées de film. Et donc, et c'est toujours comme ça, même maintenant, quand je travaille avec Jacques Audiard ou avec tous les réalisateurs, c'est toujours comme ça qu'on travaille maintenant, c'est de travailler sur qu'est-ce que ça va être le film, ça va être quoi sa taille, ça va être quoi, il faut définir ça, il faut définir le genre dans lequel on va travailler, la taille du film, où est-ce qu'on se situe dans l'histoire du cinéma, dans le genre, peut-être comme si on avait une cartographie de ça. Et puis, sur quelles émotions il va fonctionner, est-ce que c'est un film qui doit émouvoir ou un film qui doit faire peur, de quoi on veut parler. Tout ça, ça va définir une petite boîte qui va être le film. Mais il faut d'abord parler de cette boîte. Et ensuite, on va trouver l'histoire qu'on va mettre dans la boîte. Lost in Heaven 같은 작품을 봤을 때도 굉장히 자극적인 설정이 사실 나오잖아요. 근데 그 영화의 분위기를 들어봤을 때 실제 인물은 다리가 두 다리가 다 잘라져 있다 뭐 이런 건 없다라는 거죠. 그렇지만 이게 영화를 전개를 할 때 극적인 것들을 보여주기 위해서 그런 선택을 해야 되는 순간이 오는 거고 그런 것들을 계속 찾는 스토리텔러로서의 어떤 역할들도 있을 것 같아요. 그래서 But anyway, c'est toujours un équilibre, un film. Un équilibre entre l'histoire d'un côté et les personnages. Et c'est aussi un équilibre entre le niveau de réalité et l'ambition formelle. Et par exemple, dans Un prophète, il y a un fantôme. Et pourtant, c'est un film très réaliste. Mais c'est comme le monstre dans Rose. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir, de produire des images folles, mais de les accrocher à la réalité.
Alors il faut trouver un moyen de faire ça. Dans chaque film, il faut trouver un moyen d'être à la fois dans les nuages et sur la terre. Mais c'est des façons, donc, à chaque fois, de définir le film aussi. Et de dire, bah, de mettre le film à distance, de savoir comment ces histoires vont être perçues, comment est-ce qu'on doit raconter cette histoire, et avec quel niveau de réalité. Très important le niveau de réalité dans un film. Il y a des films où les gens sautent des toits et ils s'envolent, et des films où les gens sautent des toits et ils tombent. Les niveaux de réalité sont différents dans chaque film. Et c'est pour ça qu'il y a des films où il y a 200 000 morts à Los Angeles, avec un volcan, avec tout ce qu'on veut, avec les martiens qui arrivent, et on s'ennuie un peu. Et des films où le personnage a perdu son peigne, et on dit « Oh !» Alors ce qui est important, c'est pas la taille de ce qui se passe. Ce qui est important, c'est la proximité qu'on a avec la personne à qui ça arrive. Mais moi, j'ai jamais lu de livre sur comment faire des scénarios. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Et tout ce que je sais des scénarios, c'est ce que j'ai appris en travaillant sur les livres. Et je me méfie beaucoup des livres sur les scénarios, des cours de scénarios. Je m'en méfie parce que j'ai l'impression toujours que quelqu'un d'autre va acheter le livre et que du coup, tout le monde va faire les mêmes histoires. Alors que je pense que les histoires, elles doivent être plus organiques et que chaque histoire va avoir un récit différent. Et ça doit être vraiment, il faut réfléchir, c'est les personnages qui vont nous guider. C'est le film, le choix du film qu'on a fait qui va nous guider. Et pas les méthodes. Je pense que moi je n'ai pas de méthode, mais il y a quelques questions que je me pose quand je suis face à un sujet. Une de ces questions importantes, c'est est-ce que je l'ai déjà vu? Parce que si on l'a déjà vu, il vaut mieux faire autre chose. Et une autre question, c'est qu'est-ce que ça me raconte du monde? C'est aussi une question intéressante. Voilà, et donc il y a quelques questions comme ça, mais je ne crois pas qu'il y ait une méthode. Je crois que c'est plutôt une façon de voir. Mais il faut vraiment penser au cinéma. C'est vraiment le plus important. Et c'est souvent le problème. Des histoires, il y en a plein dans les journaux. Des histoires, il y en a partout. Et par contre, des bons films, il y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus, sur le cinéma, sur le film. 그렇게 많이 자신의 이 시나리오 연출에 대한 비결을 풀어넣어주신 토마 비디오 씨께 큰 박수 부탁드립니다.